Zeshua, c'est là-bas. Oh, pardon. Attendez. Dépêche. Vite, vite, vite. Correspondance par autocar pour Grenoble. Où est-ce qu'on en est alors? Écoute, là on vient d'arriver donc il n'y a pas longtemps. Il y a une demi-heure, une heure même pas qu'on est là. Et on va se diriger vers le vieux Grenoble. Donc c'est vers là-bas, forcément. Sinon on marchera dans l'autre sens. Et donc en fait. Et si on va marcher dans l'autre sens? Ça pourrait être une idée, mais je crois que tu te casserais la figure, mon petit Vincent. Et donc voilà, donc on va voir un peu si on arrive à trouver un peu des gens un peu là-bas. Un petit câlin, gratuit. Un câlin? Ouais, je veux bien un câlin. Moi. Je suis en manque de câlin. Oh, viens faire un petit câlin, mon chouchou. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Vincent. Tu t'appelles Vincent? Tu sais qu'il faut 12 câlins par jour. Moi, c'est la deuxième fois que je fais l'autre fois. J'ai complètement... Il y a 15 jours, j'ai fait ça et de voir le rayonnement des gens. Moi, j'ai toujours vu ça comme des films. C'est Chris qui a dansé. On est entre 5 et 20 en moyenne, à peu près. C'est une belle forme de vie, je trouve. Enfin, c'est une belle énergie. Ouais, exactement. Déjà gratuit, c'est beau. Rien qu'il faudrait dire juste gratuit, déjà, c'est exceptionnel. Et ben, un câlin. Ah, mais vous avez deux caméras en plus. Eh ben oui, c'est tout le but du truc. C'est qu'on peut se filmer, après, c'est hyper facile. Avec le micro et tout. Ouais, un petit micro-cravate, hein, chacun. Ah, en plus, ah oui, je vois, ouais. Du coup, là, on entend, par exemple. Ouais, là, j'en ai un. Oui, tu as ouais, tu t'entends. Ouais. Bah, arrête de me filmer, toi. Qui va un câlin? Un câlin brésilien. Mais non, mon Dieu. Donc, cette... Là, je disais... Vous étiez au courant de ce qu'on dit? Ouais, parce que j'ai déjà dit le début de mon papier, alors je voulais pas le redire, alors j'ai fait... Et on fait le tour de Grenoble à travers des endroits qui nous évoquent la colonisation de la Palestine par Israël. Et notamment à travers les produits qui sont vendus à Grenoble de manière complètement illégale, produits fabriqués dans les colonies. Quoi comme produit par exemple, si je peux me permettre? Transporté illégalement avec des fausses mentions. Je me permets de vous filmer parce que c'est intéressant. Hein? Je me permets de vous filmer mieux parce que c'est intéressant. Si... Ah, faut que je recommence tout. Non, pas du tout, j'avais un plan bien. Il est fini, le temps des colonies. Il est fini, le temps des colonies. Il est fini. Vous avez vu, il y a du monde, hein? Ouais, ça arrête pas. On a une star, là. Hein? On a même une star. Ça fait comme les lapins, elle met le panneau comme ça. Câlin gratuit. Alors, ça travaille encore? J'ai plus de pieds. Ah bah ouais, forcément. Ouais. Piétiner, c'est ce qu'il y a de plus dur. Je me suis fait plaquer par 5 nanas tout à l'heure, des petites jeunes là. Non. Oh là là, sont arrivés, j'ai vu une boule arriver. Monsieur! Ah ouais, et ça va, t'es c'est encore mon vivant? Record. 5, c'est mon 5, record. 5, félicitations. 5 d'un coup, c'est mon record. D'accord. Trois jusqu'à maintenant. Ah ouais? Mince, on aurait pu dresser avec vous alors. Oh, ils viennent. Ouais, je viens. Qui c'est qui? C'est Marine qui fume, hein.
Et vous, vous faites ça le thé à chaque fois après votre... Génial. Le whisky, c'est vrai. Ah, mais je crois qu'elle a dit qu'elle nous amenait. C'est ça, c'est au Mosquito. Et vous savez où? Au Loco, d'accord. Ah ouais, vas-y. Oula, attends. Avec les câlins, par rapport aux câlins. Donc les câlins gratuits. En fait, si les verres fait froid, on a le cœur un peu dur. Mais si on prend la cuillère, on se la frotte un peu sur le cœur, comme ça elle se réchauffe. C'est qui organise le rendez-vous que j'ai lancé ce matin. Regarde, Tu fais des câlins à la cuillère. Ça se tord, mais non. Reviens, regarde bien. Cœur de pierre, mais si on s'en met un peu sur le cœur, hop. Cœur chaud. Ouais, en fait, c'est par où les gens, c'est où? Hein? Notre-Dame, voilà, ouais, là-bas? Ah oui, on nous en a parlé là-bas. Là et à gauche, et sinon. Ah, là-haut, alors. On est la rue. Ah oui, voilà. Ok. Ah bon, on vous suit? Allez, ouais, bah, on vient avec vous voir. Vous nous montrez le chemin? Vous êtes notre guide? Ah ouais, je spirituel? Spirituel, tiens. Ah bah voilà. Mais d'accord, mais vous vous sentez genre de nous accompagner la soirée pour nous guider un petit peu là, montrez-nous deux trois rues. Là, je vais vous montrer simplement la rue celle-là parce... quoi, la rue Brocherie. Mais d'accord. Moi ça m'intéresse. Et vous êtes d'où vous? On est du sud, on vient du sud et on a décidé de choisir une ville au hasard. Bah, nous on est quand même déjà un peu dans le sud là. Ouais, on est plus ou moins dans le sud, ouais, tout est relatif. Mais moi ces t-shirts ils m'intriguent vraiment que vous faites, c'est classe, je trouve, c'est une bonne initiative comme ça. Gratos quoi, vous les donnez à des gens. Les gens à elle, vous donnent rien un t-shirt? Ah ben non, si ça l'intéresse peut-être pas, elle va pas. Non, parce que... non parce que tu les balances pas comme ça parce que ça m'a coûté du pognon quand même. Ah, ouais d'accord. Okay. C'est-à-dire, c'est. C'est la loi du marché, je la connais, hein, c'est pas. Mais alors, c'est peut-être de l'utopie, mais ça coûte du pognon quand même. C'est... Vous les avez payés avec avec votre argent à vous alors? Ouais, on peut dire avec. Et pourquoi vous faites des marchés? Il y a 3 ans, ma mère est décédée, puis avec ce qui restait du pognon, voilà. Vous avez fait des t-shirts? Bon, je vous montre. Alors attendez, regardez, je le mets là. Alors il y a écrit quoi? Il y a marqué dissociation, c'est parce que je suis tout seul, c'est pas une association, donc pour faire une association il faut être 3. D'accord. Il faut avoir un président, un mec qui s'occupe de la gestion machin financière, un comptable, sinon, et puis un troisième secrétaire, je sais pas quoi. D'accord, donc l'association c'est pour expliquer. Voilà, c'est pour plaisanter en même temps et pas avoir d'emmerdement avec l'administration, dire vous êtes une association, il faut aller à la mairie, vous inscrire ou aller je sais pas quel truc. D'accord. Etc. À côté, il y a... Bah à côté il y a enfin, en dessous, j'ai mis poésie urbaine pour pas faire trop agressif, c'est pas un parti, etc. Et puis Studio Express. Le Studio Express, c'est le principe même de ce machin-là, c'est des logements pour les travailleurs temporaires, les gens en difficulté, les jeunes couples avec enfants, etc. Toutes les personnes qui ont un travail temporaire ou qui sont en chômage pour quelque temps et qui se retrouvent des fois bloqués. Grenoble. Lui il est auvergnat, moi je suis savoyard. Mais en même temps Grenoble c'est ça aussi, non? Parce que c'est une ville étudiante, donc du coup finalement c'est la meilleure ville étudiante. Ouais. Moi franchement, on a été élus meilleurs étudiants de France. Vous deux? Nous deux, oui. J'espère qu'on est même les meilleurs étudiants de France. Moi je pense que c'est. Franchement, je pense que ouais. Moi je vous donne le prix. C'est un mélange. Auvergne et Haute-Savoie. T'as pas fait encore le tour. Hein. C'est pour ça. Ce soir, on fait quoi? On allait aux Happy Hour à 6h. Et puis depuis ce temps-là, on traîne les bars histoire de prendre la cuite. Vous faites bar en bar, quoi. Exactement. Ah, voilà, ouais. Et là, c'est lequel le prochain alors? London Pub. Juste là. Ah voilà, d'accord. Après on va se rentrer chez moi, on a encore 2-3 cadeaux à teaser, ça, on sera bien. Et on peut venir? Si vous voulez. Moi franchement ça me pose pas de problème. Si tu me casses ton numéro et on vient chez toi après? Franchement,
Si vous voulez. Vous mais bon, après, je veux dire, si vous venez chez moi, faut teaser un coup. Parce que... Ça veut dire quoi, teaser un coup? Boire un canon ou quoi? Boire 2-3 canons, faut pas faire semblant. Moi, je vous reviens. Ouais. Tu vois bien bon, bon, ah, à mon avis, Jeff, ils ont l'air de boire. Regarde, regarde. Ouais, moi, je bourrais et lui, il filme. Il faut qu'il y en ait un qui reste seul, sinon, on filme flou après. On aura dit par là. On aura. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Grenoble? Depuis 64. Ah ouais, ça fait un moment. Ouais. Et pourquoi Grenoble? Hein? Pourquoi Grenoble? Bah parce que quand on est rentré, mon père avait un ami avec qui il avait fait la guerre. Et puis bon, bah, quand mon père avait une ferme au Maroc, quand ils ont nationalisé les terres, bah, mon père il est revenu rejoindre son ami d'enfance, quoi. Ah, Grenoble. Ouais. Donc grâce à une amitié, vous êtes grenoblois. Ouais, ouais. D'accord, ok. C'est sympa, c'est une jolie histoire, du coup. Bah oui, pas mal. Ouais, et ça vous plaît, Grenoble, ou vous auriez préféré que votre père soit ami avec lui? Bah, j'aurais préféré qu'il aille sur, au bord de la mer. Au bord de la mer, ça aurait été ouais, sympa. C'est mieux. Ouais. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'étais un peu partout dans le monde. Où ça? J'étais en Guyane, j'étais en Saint-Martin, dans les Caraïbes, j'étais en Afrique noire. Pourquoi, comme ça ou... Non, pour travailler. Pour travailler? Vous faisiez quoi là-bas? Ben, j'ai placé des jeux dans les bars. En Afrique noire, j'avais tout cet import-export. Ah oui? Ouais. Ah, vous avez fait vraiment tout, vous avez ouais, bourgué? Bah ouais, ben, c'est ça. Et c'est quoi votre plus gros souvenir alors de tout ça? Ben, vous avez une anecdote, par exemple, une histoire qui vous arrivait ou... Ben, la plus belle histoire, c'est que quand j'étais au Congo, une fois en plaisantant avec mon chauffeur, en plaisantant, en disant une connerie, je lui dis, tiens, moi je suis belle-fils à Giscard d'Estaing. En plus, c'était en 81. Et lui il m'a cru, il en a parlé à des potes à lui, et l'hôtel où je dormais, à Brazzaville, ils ont carrément cru que j'étais le fils à Giscard d'Estaing. Donc la belle vie, quoi. Un beau jour, il y a le directeur qui m'a fait appeler. Il me dit, écoutez, voilà, j'arrive dans ma chambre, je vois une grande corbeille de fruits, des fruits exotiques de partout. Je dis, mais j'étais avec un ami, je dis, mais c'est quoi cette corbeille de fruits, là? Avec le VIP, tout ça, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Alors je demande à la réception, il me dit, ben, on sait pas. Puis le lendemain, le directeur de l'hôtel, il m'appelle, il me dit, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, voilà, écoutez, je ne savais pas que vous étiez là, tout. Ah, bon. Je dis, ben, quand vous voyez bien, on est là 15 jours par mois. Il m'a dit, oui, mais quand même, je ne savais pas que vous étiez le fils de M. Destin. Je dis, non, mais en plus, c'était à l'époque des élections en 81, entre Giscard et Mitterrand, mais ils étaient persuadés que j'étais le fils à Giscard. Et comme je dis, mais vous voyez bien que je ne m'appelle pas Giscard d'Estaing. Il me dit, ouais, mais on sait bien qu'avec des fois, on peut venir ici sous une nouvelle identité et tout. Je dis, non, mais c'est des conneries. Après, j'ai campagé, je dis, mais je vais me faire attraper, je vais me faire prendre par les pieds. Ils vont me dire, mais attends, d'où il sort celui-là, c'est un espion ou quoi? Bah. Je dis, non, mais c'est la vérité. C'est une boutade que j'ai lancée comme ça avec mon chauffeur. Et lui, il l'a cru, il en a parlé à tout le monde, quoi. Ah, comme quoi hein. Eh bien, ça, mais le gars, j'ai mis au moins 3 quarts d'heure à le persuader. Hein, que j'étais pas le fils de Giscard d'Estaing. Ah, ouais, quand même. Ah, oui, il me croyait pas. Il me dit non, mais je sais, je comprends. Vous êtes venu incognito. Je dis, mais non, je suis pas incognito. Là, je suis venu là, j'ai une société d'import-export, j'ai rien à voir avec ça. Après, il m'a dit, bon, ben ça va. Il me dit, mais ça va, vous garderez la corbeille quand même. Tous les jours, vous avez votre corbeille de fruits. Je dis, ben vous êtes sympa. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah du coup, bon, voilà. Ça, c'était un grand moment de ma vie quand même. De fer, 15 euros de fer. Donc, vous êtes, ouais, vous êtes de Grenoble aussi alors? Ouais, je suis de Grenoble, ça fait, j'habite ici depuis 2006. Vous étiez 2005. D'où? Vous étiez d'où avant? De nationalité algérienne. D'accord, ok. De l'Algérie. Et ça va Grenoble, c'est un bon choix? Ça va. C'est sympa? Je préfère une grande ville plus grande que celle-là. Plus grande encore? Parce que c'est grand quand même déjà Grenoble. Hein. C'est grand, mais je préfère Paris. Paris? Ouais. D'accord. C'est une belle ville Grenoble, mais... Moi, j'ai vécu dans une grande ville comme Paris, comme Naples, en Italie et tout. Je préfère les grandes villes. Et pourquoi ça bouge Grenoble, mieux, alors? Ça bouge mieux. Ouais, j'imagine. Et pourquoi dans Grenoble, le commerce. Et aussi le destin. Le destin? Voilà. D'accord, ok. Et là, si vous nous conseillez un petit endroit à Grenoble, pour vous, là où vous allez, où
là où vous avez l'habitude d'aller, un endroit, un bar, moi, un café. Il y a le bar de la Vedette. C'est des gens de ma région, de ma nationalité, les musulmans, les arabes, les coutumes. C'est là-bas, c'est bar de la Vedette, là-bas. Donc, on vous a rencontré sur le marché, on veut savoir un petit peu pourquoi est-ce que vous êtes à Grenoble? Pourquoi Grenoble? Pourquoi cette ville? Parce que généralement, je me présente, je suis d'origine tunisienne. Et puis j'ai ma famille, ça fait depuis 1960 ou 70, ils habitent ici à Fontaine, ils ont commencé à travailler ici. Et puis ici, il y a mes racines depuis des années à Grenoble. Et puis moi, généralement, j'habite à Paris normalement. J'avais mon père, il habitait à Paris. Mais j'ai mes cousins ici, tout ça, ça fait des vingtaines et des trentaines et des quarantaines d'années qu'ils habitent ici à Grenoble. Et puis s'il y a des beaux paysages, c'est magnifique, c'est une belle vie, c'est la campagne, tranquille. C'est une vie très très à l'aise, très simple. Il manque un peu de travail, mais ça va, ça passe en général, ça va. Il y a beaucoup de chômage quand même. J'étais avant, j'étais en Algérie, donc en fait les moments où il y a les terroristes, les visas, et donc voilà, je demande un visa. Et il m'a accepté pour rentrer en France, et depuis 2001 je suis là à Grenoble. Donc voilà, ça me plaît trop, franchement, et c'est une ville calme, tranquille, les gens ils sont sympas, voilà, donc bon, c'est bon, il y a un problème du travail et tout, mais bon, ça c'est partout, c'est pas juste au Grenoble, ça c'est tout le monde maintenant, c'est le problème du travail, ouais, voilà. Ici, là, on a un truc, on comprend pas ce que c'est. Il n'y a aucune enseigne, il y a juste marqué sans frais d'agence. Et puis, il y a tout marqué en chinois, avec des numéros de téléphone. Donc, du coup, on sait pas. Voilà. Donc, si vous lisez le chinois, peut-être lire, comprendre ce qu'il y a marqué. Et en tout cas, si vous savez ce que c'est, ici, c'est sans frais d'agence. Au moins, vous le savez, il n'y a pas de frais d'agence. Donc, je pense que, voilà, c'est quelque chose de très particulier et un peu chinois quand même. Voilà, c'est du chinois pour moi. Du coup, c'est le téléphérique, c'est au quai Stéphane G, c'est ça? C'est sur le quai qu'il faut reprendre. Voilà. Oui, voilà, je vois, ok, d'accord. Ok. Ok, ouais, bah, pas de problème au jardin, alors ça va. Super. Ok, à tout à l'heure, ciao. Ok, bon, on a rendez-vous. C'est moi qui fais bouger le truc comme ça là? Ouais. Non mais c'est bon, je veux descendre moi. Non, tu restes là. Tu restes là. Non mais c'est n'importe quoi, ça se cogne où? Arrête, tu vas le faire stresser. Regarde déjà, t'as vu? Attends, c'est quoi? Je vais filmer parce que... Non. Si, je vais te filmer. Je vais pas bouger. Je reste comme ça, je filme en dessous. Mais fais gaffe à ton putain de micro. Non mais regarde, je te filme comme ça, moi je suis sûr que... C'est quoi? En te filmant, si comme ça, si on tombe, j'aurai ta mort en direct. Non mais tu... Ouais. Ça peut être pas mal. Notre mort en direct. Pardon, c'est... Non mais là je filme, ça sert à rien, je filme un par terre. Non mais j'ai pas peur. Ça enlève ton micro. Ouais, t'as raison, t'as pas peur. Non, mais là je filme. J'ai pas peur. Bon, là regarde, au pire là, sur les... Oh, regarde. Sur les 10 premières secondes, on tombe dans l'eau au pire. C'est pas pire qu'à Hong Kong, hein. Pourquoi? Ah, il y a le même, ouais. Mais pour aller au bout d'accoucher là. Ouais, sauf qu'à Hong Kong, ils les font fabriquer par des petits... Mais t'as le plancher de verre, hein, ça c'est fait. Oh purée. T'as peur, hein. Là, si on tombe, là... Ah, là, il y a un méga travelling, putain, mais... Il aurait fallu que tu marches en bas, Mathis. Ah ouais, la prochaine fois, on fait ça. Il y a une méga église, là, je sais pas ce que c'est, ce truc, mais... C'est super beau, ça. Ah, voilà, on est bloqué. T'as vu que c'est ouvert, quand même? Voilà, c'est pas complètement fermé, les portes. Non mais ça va, ça me fait pas trop peur. Ah bon? Non. Mon cousin c'est Bruce Willis moi. Ah oh, oui. Ah ça s'ouvre hein. Arrête. Je vois où? Non arrête. Non c'est super beau. Il y a des coins plus beaux sur la planète mais c'est pas mal.
en a plein qui pensent que c'est une ville nouvelle, alors, tu vois. Que c'est quoi? C'est une ville nouvelle. Ah, pourquoi? Bah, parce que je sais pas. Ouais, parce que ça donne pas du tout cette impression-là quand on est à l'intérieur. Non. Ah, c'est ça le... Ça, c'est le... C'est pas le... Le bloc... Attention. C'est là où, en général, ça se décroche. Là, c'est bon, on est arrivé. Non, mais c'est là où ça se décroche, là, quand ça passe. Non. Vite, 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 Vincent! Non, mais là, tu vas plus pouvoir passer, là. L'ancien téléphérique de Grenoble. Putain, c'était comme ça avant. Ah ouais, non, mais c'est bon. Ah non, mais tu vois, tombé. Ça fait moins flipper, là, d'un seul coup. C'est Rire et Chanson. T'es sérieux? Ouais. Tu captes Rire. Alors là, donc il explique, j'explique. On capte Rire et Chanson avec le micro-cravate. Voilà. Bah là, je le capte plus là. Ah, donc depuis tout à l'heure, il rigole parce qu'il entend des blagues. Non, mais j'entends pas vraiment des blagues. Ah, bon, bah, c'est pas rigolo. Je crois que c'est en fait, c'est Dieu direct qui me parle. Ah, c'est possible parce que là, on se rapproche. Hein. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Non, vas-y. Il m'a dit saute. Hein? Il m'a dit saute. Vas-y, saute. Voilà. Et pourquoi des câlins? Pourquoi des câlins? En fait, je suis très... j'aime bien le système américain, des gens un peu friendly, etc., qui sont toujours positifs. J'aime bien ça. Et je trouve que on discutait avec des gens qui disaient « Ah, c'est pas bien les câlins, je trouve ça nul, etc. » Et en fait, pas du tout. C'est pas nul du tout. Il y a plein de gens qui sont contents, qui passent, qui rigolent. Et en fait, ça interpelle et de manière positive. On n'est pas toujours obligé d'interpeller de manière violente ou négative pour que les gens réagissent. On peut aussi dire « Coucou, je fais partie du pays des bisounours. » Et voilà. Et donc, je trouvais ça sympa. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et il y a plein de gens qui sont venus vers nous. Il y a même des gens qui trouvaient ça, qui ne se sont pas arrêtés, mais qui ont souri. Des gens vers qui on est allé. Voilà, donc je trouvais ça sympa. Voilà. Est-ce que vous vivez depuis longtemps sur Grenoble? Depuis 1956. Vous connaissez bien Grenoble alors? Un peu, oui. D'accord, je pense que vous allez pouvoir nous en parler bien, parce qu'on est là pour découvrir Grenoble. Alors est-ce qu'il y a des choses, par exemple, vous pourriez vous nous dire les bons et les mauvais côtés de Grenoble, admettons? Les bons et les mauvais côtés, ouais, de Grenoble? Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, quoi? Ah, moi, à Grenoble, tout me plaît. Tout me plaît, Grenoble. Le décor est fabuleux. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est peu dans la brume, mais c'est vraiment une ville très agréable. On est là, au pied de la montagne, dans une vallée qui est absolument splendide. Quand on remonte sur Chambéry, la vallée du Grésivaudan est vraiment une très très belle vallée. Le Vercors est un massif fantastique, la Chartreuse qui est derrière nous, très belle aussi. Enfin, je veux dire, c'est un décor extraordinaire. Pays des quatre saisons, très contrasté, puis les gens. Les gens qui vivent dans une situation difficile. À Grenoble, on est obligé de faire autrement. Il y a la neige, il y a le froid. Parfois, c'est une situation très difficile. Donc, les gens sont durs, mais râleurs, parce que justement, c'est difficile, mais d'une très grande efficacité. On y travaille très bien. On y étudie très bien. L'université est assez brillante, les lycées sont assez brillants. Évidemment, c'est pas une ville de plaine, c'est pas une ville où c'est le sport individuel, c'est le sport de montagne, c'est le ski. Donc les dimanches, c'est le vide. Bon, voilà. Vous avez l'air quelqu'un de très quand même cultivé au courant. Vous faites quoi dans la vie? Vous faisiez quoi? Qu'est-ce qui vous... Alors, moi j'étais enseignant à l'université à Grenoble. Mmh. Mais j'ai aussi fait du privé, je suis juriste. Hein. D'accord, juriste. Juriste, voilà. D'accord. Et puis je continue à travailler beaucoup, là, même si je suis en retraite et que je promène avec un copain qui lui aussi était un grand universitaire, mais qui hélas est tombé malade. Il a une sclérose en plaques et bah, de temps en temps, il faut le balader un peu, quoi. Hein, il faut le sortir. Mais ça, c'est le problème de l'amitié. Mmh. Il est quasiment sourd. Bon, il reste mobile. Mais c'est un excellent ami, et lui c'est
un grand homme des livres. Il a vendu la culture française pendant 30 ans de sa vie. Il était aux presses universitaires de France, à l'école des hautes études en sciences sociales, et il a été aussi attaché culturel à l'ambassade des... Mais tu étais assis, Jean-Claude. Hein ? Jean-Claude, s'il te plaît. S'il te plaît, ça va. Sage. Hein ? Sympa.